quoi? Après cela? Non, on laisse un peu rester là, mais d'abord c'est pour Félix et après on va pouvoir. Voilà. Ton micro est ouvert. Le micro de la vaquette ouvert. Le micro de la vaquette. Merci beaucoup ma chère Sandra, mesdames, messieurs, sur cette plage résignée ici à Trinité pour vivre dans un instant l'arrivée de cette cinquième étape. On va profiter pour saluer nos traditionnels partenaires qui nous accompagnent sur cette 37e édition du Tour de la Martinique des Yolerons. On va remercier la mutuelle UFR, l'hôtel La Batelière ici à Fort-de-France qui nous accueille depuis quelques jours. Alwego qui nous permet donc de nous véhiculer ici d'étape en étape, de ville en ville. Alwego, c'est l'affaire de Kevin Jean-Baptiste aussi pour ce sacré coup de main, cet accompagnement à toute l'équipe donc, de Télé Antilles. AGS Déménagement, le numéro 1 du déménagement outre-mer. Saluer donc notre patron, notre directeur commercial, Alain Providenci, donc le directeur commercial de l'AGS France, basé au 61-8 de la Bourgade, c'est un jeune vidéo. On va également remercier Voyage Antillais, notre partenaire Voyager, c'est Ligue de la Prade et toutes ses équipes de Paris et de Saint-Denis, Exo Island à Goussainville, mais également au centre commercial de Fanade à Sarcelles, Créole Avenue, les trois restaurants dans l'Île-de-France, Rungis, Villeneuve-Saint-Georges et depuis peu Saint-Trond-l'Aumône. Et on salue également le restaurant qui se trouve ici aux Trois Îlets. En Martinique, on va remercier Bébé Bokit, Gladys qui viendra nous voir tout à l'heure, nous saluer. Comme d'habitude, elle est ici à Trinité sur le skatepark, comme elle disait-elle. Si vous souhaitez manger donc des mini Bokit, ces saveurs qui nous arrivent exclusivement dans la Guadeloupe, n'hésitez pas à passer la voir. La boulangerie, pâtisserie, le Lèche-Trois à Fort-de-France, saluer le patron Michael Delby et toutes ses équipes, vraiment les serveuses très très gentilles qui vous accueillent. Oui, Jean Jaurès, Fort-de-France, quartier des Terres-Saint-Ville, mais également au centre commercial Le Trident, à Fort-de-France, le quartier Montgérald. Nous remercions Gabi, AG Auto, 88 rue de Paris, c'est à Gonesse pour tout. Vos pépins, petits soucis, mécanique, carrosserie ou encore peinture. Un petit clin d'œil au Car Polo, c'est l'affaire de Jean-Marc Polo, ce patron donc de cette firme de location de car. Voilà pour les moyennes, les longues distances en France ou à l'étranger. Les Car Polo au 15 rue du Moutier à Stain dans la Seine-Saint-Denis. Nous remercions également les maisons des Terres Battues qui nous accompagnent. Et puis le petit clin d'œil à toute l'équipe d'Espace FM. On va profiter pour saluer France Bourget. Tiens, il est en vacances en Guadeloupe. On profite pour le saluer, France Bourget, notre responsable commercial. Justin Lafrio, également en Guadeloupe. Mickaël, qu'on retrouve sur les antennes de Martinique, la première. Un petit clin d'œil à DJ Flo, qui est resté à Paris. On retrouve le vendredi du côté du délice. C'est la Roissy-Saint-Léger. C'est l'affaire de notre ami Georges Jacquet. On salue également par la même occasion un petit clin d'œil à Nico. On salue vraiment toute l'équipe de Télé Antilles. Un petit clin d'œil à Jean-Michel Ortiz. On salue Colin Serin, Dominique Tolio. On va saluer Jenny. Voilà, donc toute l'équipe, vraiment merci à vous. Et puis on remercie également toute l'équipe de Télé Antilles mobilisée pour cet événement autour de Jean-François Saint-Louis, Olivier Julie, Peggy Ladéon, Daniel Gorilla. On a Germainie Francine, le jeune Diane Jeanne et les photos qui sont signées Mélo. Voilà, donc l'élève d'Olivier Judith qui nous réalise également les photos pour les différents réseaux sociaux. On va saluer également notre ami José qui nous accompagne. José qui est avec nous également sur ce plan d'eau de Trinité. Ici, nous sommes sur la plage de Résigné. Et puis, je voudrais commencer cette émission et rendre hommage à toute l'équipe d'Andy FM avec l'ami Félix qui est avec nous et à qui je dis bonjour. Comment ça va, Félix? Ça va très bien. Alors, je voulais que tu nous parles un petit peu de toi. Alors, mesdames, messieurs, pour ceux qui ne connaissent pas Félix, donc Félix atteint donc par cette terrible maladie qu'est la cécité. Tu es non-voyant, mais tu jouis donc d'une
Alors d'abord, on peut le dire, une popularité sans faille ici en Martinique. Tu suis les événements pour ta structure NDFM. Je voudrais également te faire un petit clin d'œil avant de démarrer cette émission. Oui. Alors tout d'abord, bon bonjour à toute l'équipe tout d'abord, je me présente, c'est Patrick Jouet, président de l'Association de l'Agriculture, qui a pour but d'assurer la diversité des membres de la société. Et puis je veux, on a mis pas mal d'activités en place, ça discute de ça. Mais aussi, je me présente une radio qui fonctionne très bien, c'est anti-FM Martinique.